Nous appelons nos plus hautes autorités et nos forces de défense et de sécurité à se ranger du côté du peuple martyr du Tchad et à ne pas se laisser utiliser par le système colonial qui a esclavagisé, déporté et enlevé la dignité à nos ancêtres, et ce, durant plusieurs décennies. Nous invitons la population tchadienne à se tenir debout pour conquérir notre pleine souveraineté. Ce matin, à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France au Tchad, une motion relative à l'ultimatum que nous avons donné aux forces françaises de quitter le territoire tchadien. En date du 28 septembre 2023, il vous souviendra, les membres de l'Alliance panafricaine Umoja Toumaï avaient, dans un communiqué de presse, demandé le démantèlement des bases militaires françaises installées au Tchad dans un délai n'excédant pas 3 mois. L'annulation de tous les accords coloniaux entre la France et le Tchad, ainsi que l'arrêt immédiat de toutes les manœuvres et intimidations de la diplomatie française à l'égard des membres de l'opposition libre. Au terme de ce délai, nous avons le regret d'informer l'opinion publique nationale et internationale que non seulement ces bases militaires françaises n'ont pas été démantelées, mais qu'elles se sont renforcées par les troupes chassées du Niger qui se retrouvent au Tchad sans plan de transit, apparemment dans l'objectif de se déployer dans des bases secondaires en construction, y compris vers Ngouri, ville frontalière entre le Tchad et le Niger. Et ce, contrairement aux déclarations officielles des autorités françaises. En outre, nous regrettons que les manœuvres et intimidations à l'égard des leaders de l'opposition et des panafricanistes tchadiens continuent dans le mépris des mouvements de rejet qui est fondamentalement et profondément citoyen. Nous venons par la présente rappeler aux autorités françaises que ces exigences du peuple tchadien martyr d'un système de gouvernance téléguidé depuis Paris est irrévocable, non négociable, et traduisent les aspirations d'un peuple qui veut assumer sa souveraineté, y compris dans le choix de ses gouvernants et de ses partenaires internationaux. Par conséquent, nous informons par la présente les autorités françaises que l'ultimatum prenant fin ce 28 décembre 2023, le peuple tchadien entamera à partir de ce jour, et ce, sur l'ensemble du territoire national, les actions multiformes jusqu'au départ de ces troupes françaises, et tiendront pour responsables les autorités françaises de tout ce qui adviendra. Nous appelons nos plus hautes autorités et nos forces de défense et de sécurité à se ranger du côté du peuple martyr du Tchad et à ne pas se laisser utiliser par le système colonial qui a esclavagisé, déporté et enlevé la dignité à nos ancêtres, et ce, durant plusieurs décennies. Nous invitons la population tchadienne à se tenir debout pour conquérir notre pleine souveraineté.